L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Une révolution spirituelle le 19 novembre. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Par l'intermédiaire du Christ, les hommes reçoivent une puissance morale qui transforme leur attachement et leur donne le désir de servir la cause de Dieu. Alors qu'auparavant, on concentrait toute la puissance de son esprit et de son corps à exécuter les œuvres du malin par l'Esprit de Dieu. Une révolution se produit. Le Saint-Esprit illumine, régénère, sanctifie l'âme. Les anges contemplent avec une joie indicible les changements que celui-ci opère en l'homme. La révélation de la beauté fascinante du Christ et la connaissance de l'amour qu'il nous prodigua alors que nous étions encore pécheurs font fondre et s'abandonner les cœurs les plus obstinés. Le pécheur est transformé et devient un enfant de Dieu. C'est au moyen de son amour que Dieu chasse le péché de l'âme. Ainsi, il change l'orgueil en l'humilité, l'inimitié et l'incroyance en amour et en foi. Ces façons de faire ne sont pas coercitives. L'âme découvre Jésus et se remet à vivre lorsque l'on contemple par la foi l'agneau de Dieu. Le Christ se présente aux hommes afin qu'ils se saisissent de son caractère et de sa perfection. Le modèle étant parfait dans tous les domaines, l'homme qui se conforme à l'image du Christ devient parfait. Car en dehors du Christ, il ne peut y avoir de justice dans le cœur humain. Quand l'Esprit se répandit du ciel, l'Église fut inondée de lumière. Or le Christ était cette lumière. L'Église fut inondée de joie. Or le Christ était cette joie. Quand l'Esprit se répandra sur son peuple actuel, le nom du Christ sera sur toutes les lèvres. Son amour remplira toutes les âmes. Et quand le cœur embrasse Jésus, il embrasse Dieu, car toute la plénitude de Dieu demeure en Christ. Quand les rayons de la justice du Christ touchent l'âme, l'expérience humaine est tissée de joie, d'adoration et de gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec leRest.org.